Good morning, allez, Yidane, les sujets aujourd'hui, les Nishmat, Richard Ben Fortune Mazal et Claude Israq Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Beitza, Perigdalet Mishnah Alef. Amevi Kadeyain, Mimakom, Lemakom, Le Yevi, Em, Basal ou Bakupa. Aval Mevi, Hu, Al Ketefo, O, Lefanav. Vechan Amolich et Ateven, Lo Yavshil et Akupa le Achorav, Aval Mevi, Yahu, Beyado. Ou Matrilin, Baare Mat Ateven, Aval Lo, Baetim, She Bamukte. Deux sujets dans notre Mishnah, on s'occupe d'abord du premier, et après on ouvrira le deuxième sujet, parce que ça va nous concerner pour les trois prochaines Mishnayot. Tout d'abord, Amevi Kadeyain, Mimakom, Lemakom, celui qui transporte des Kad, Yain, c'est pas des tonneaux de vin, c'est plutôt des tonnelés de vin, des petites cruches, ou bien plutôt des petits tonneaux, des tonnelés, je crois que c'est le mot en français. Donc, des Kadeyain, Mimakom, Lemakom, d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire que il reçoit par exemple des invités à la maison, et puis il doit aller chercher plusieurs petits tonnelés, on a envie de faire la fête, c'est Yom Tov et pourquoi pas. Donc du coup, il doit aller chercher plusieurs petits tonneaux. La manière la plus pratique, c'est d'emplir une grosse caisse, de la mettre plein, et puis de porter ça à deux, ou je ne sais pas exactement comment, selon quelle technique. Mais malgré tout, il y a un problème. Si tu transportes comme ça dans la rue, tu vas avoir l'impression de partir au marché pour vendre ta marchandise. Ça ne fait pas, comme on dit en bon français, ça ne fait pas shabbatique, ça ne fait pas Yom Tovik. Donc, ça ne fait pas Kvod Shabbat, Kvod Yom Tov. Donc, lo yaviyem basal ou bekupa, tu ne les transporteras pas dans un sale, dans un gros panier, ou kupa, dans une grosse boîte. Mais quoi? Meviu, aval meviu, al ketefo, olefanav. Mais il pourra les porter sur l'épaule, quelques-unes, comme ça, olefanav devant lui. Rashi, le Bartanoï, il rapporte, selon Rashi d'ailleurs, il rapporte le premier cas, c'est remporter 3-4, et le deuxième cas, c'est une ou deux. J'ai vu des Mefarshim qui expliquent que ce n'est pas un problème de quantité spécialement, c'est la manière de transporter. Tu peux emporter plusieurs si tu veux dire, mais pas comme quelqu'un qui va les vendre au marché. Précision importante sur ça, aussi, c'est que si c'est a priori que tu peux débrouiller autrement. C'est-à-dire, si tu as le choix entre deux solutions, faire 5 fois l'aller-retour, mais emporter 2 par 2, ou un petit peu plus, quelques bouteilles, ou bien partir une seule fois, remplir un carton, et puis le porter comme un gros transporteur, alors on préfère que tu le fasses plusieurs fois l'aller-retour. Quand c'est dans le Rishut Arabim. Quand c'est sur la voie publique. Entre parenthèses, si c'est pas dans le Rishut Arabim, c'est un peu dans le Chanorour, tu fais à la porte ici. Si c'est pas dans le Rishut Arabim, c'est chez toi à la maison, tu veux déplacer un carton d'un coin de la maison de la cuisine pour le transporter à l'autre côté là-bas dans une autre pièce. On préférera cette fois-ci chez toi à la maison, personne ne te voit, on préférera que tu le fasses en une fois sans te fatiguer parce qu'on ne veut pas que tu te fatigues pour rien, Yom Tov. On n'a pas d'intérêt de demander de le faire 10 fois. Mais malgré tout, dès que tu vas te retrouver dans le Rishut Arabim, et que là, on a un autre problème, c'est de créer une ambiance complètement profane dans la rue, alors on préfère que tu fasses 3 fois l'aller-retour, 4 fois l'aller-retour, dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, concrètement, tu es pressé, alors on permet de transporter beaucoup d'un coup. Même principe pour la suite de la Mishnah. Celui qui transporte de la paille, il veut nourrir ses animaux, il a plein d'animaux à l'étable à les nourrir, il avait épuisé le stock, il va chercher chez son copain, il va lui donner donc des meules de foin. Alors, de nouveau, quoi? Eh bien, l'eau y a fchi la takupa la chorav. Je ne sais pas exactement comment ça se présente, parce qu'on ne vit plus tellement avec tout ça, quoi. Mais il y avait une manière de transporter en mettant une boîte derrière lui, la transporter sur son dos. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait concrètement. Mais en tout cas, c'est une manière très grossière et très profane. On ne veut pas que tu le fasses comme ça. Aval mevia obeyado, tu la transportes à la main. Tu prends avec toi la petite motte de paille ou tu en prends quelques-unes sur toi, sur les épaules devant toi, et tu les amènes de nouveau selon le même principe. C'est ce que quand tu dois passer sur la voie publique, mais si tu fais ça chez toi, on préfère que tu prennes beaucoup d'un coup, que tu te fatigues moins. Et aussi, même sur la voie publique, je t'interdis, c'est uniquement si tu n'as pas le choix. Si tu as le choix, tu as la possibilité plutôt de le faire en plusieurs fois, mais si tu es pressé de donner à manger, dans ce cas-là, on te permettra de prendre beaucoup d'un coup, d'accord? Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, là, on va s'intéresser à comment se ravitailler en bois pendant Yom Tov. Vous imaginez qu'à l'époque, on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Donc on a des fours qui fonctionnent, normalement on a des bois chez à la maison, et puis là on va se retrouver dans toutes sortes de situations où on va avoir besoin de bois ou de paille, et qu'on n'en a pas forcément en stock à la maison, qu'il faut aller les chercher. La question des trois prochaines Michel, ça va être où aller les chercher,
comme on sera bétaillé, on va être confronté à des problèmes de moukse, à des problèmes de conduite, de chol. C'est à peu près les deux axiomes qu'il va y avoir. Pour le moment, la Mishnah se finit de manière très simple, en me disant, très simple ou pas, on verra. Ava o matrilin baremat teven. Et on a le droit, a priori, de commencer avec un tas de foin. Soit pour pouvoir. Pour pouvoir. Ça en rapport un peu avec la Mishnah. Concrètement, ça en rapport avec la Mishnah présente, avec la partie, première partie. Le fait qu'on a évoqué, le fait de transporter de la paille. La paille, à part nourrir les animaux, ça sert aussi à allumer le feu. Donc on doit transporter de nouveau une botte de paille pour pouvoir allumer le feu. Ouais, pour allumer les premières brindilles pour que le feu prenne. Eh bien, la Mishnah maintenant, elle me dit, ou matrilin, barema tateven, sache que si maintenant, tu sais que tu es chez toi, donc, puis tu sais que, à quelques mètres là-bas, chez toi, dans ton champ, tu as là-bas réuni plein de paille. Mais tu n'as pas commencé à t'en servir. On a en théorie un problème de moukse. Alors la Mishnah me dit que tu as le droit, même si tu n'as pas commencé à te servir de cette meule de foin, tu as le droit malgré tout d'aller en chercher si tu as besoin. Tu as le droit de l'en chercher. Je vais expliquer après, c'est pas retenu pour la fin, on va expliquer. Il y a un vrai problème de moukse, mais d'abord, la Mishnah continue à l'eau bétim sheba moukse. Par contre, tu ne pourras pas prendre des bois qui sont dans le moukse. Moukse, là, c'est pas moukse, les ilchot moukse du Yom Tov, mais on parle plutôt. Derrière les maisons, ils avaient comme ça, ils avaient dans les maisons, ils utilisaient le grenier, ils utilisaient la cave, ils utilisaient le devant, la cour, mais il y avait une arrière-cour comme ça où on jetait toutes les, comment on dit, toutes les schmates, tous les trucs qui servent à rien, on les met dedans, peut-être ça servira un jour. En l'occurrence, on mettait aussi là-bas des poutres qu'on avait besoin d'en garder, on les mettait là-bas. Et voilà. Et la Mishnah, en fait, elle veut me dire, tu sais, ces poutres-là, tu ne pourras pas les prendre pour brûler, même si tu n'as plus de bois, tu n'as plus de paille, tu as envie de prendre une poutre qui est là-bas, tu n'as pas le droit de la porter ici. Voilà ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, on va expliquer un petit peu mieux. D'abord l'avis de la Mishnah, puis après on va expliquer pourquoi il n'est pas retenu pour la halakha. On est en fait selon. Il y a une grande machloket, on a déjà évoqué plusieurs fois depuis le Shabbat, qu'il y a une grande machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il y a un interdit de moukse à Shabbat et à Yom Tov? Très vaste machloket. Selon Rabbi Yehuda, il y a un interdit de moukse, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdit de moukse. Moukse, il y a plusieurs niveaux de moukse. Moukse Mahmat Isour, Mahmat. Si vous connaissez, on va en découvrir deux tout de suite. Il y a tout d'abord un premier principe de Moukse, le plus simple, Moukse Mahmat Goufo. C'est la paille, les pierres qu'on a dans la rue, qu'on a dans notre cour. Peut-être que si on en a besoin, on va les utiliser. On n'a pas pensé spécialement à les utiliser. Pour le moment, ils n'ont pas été prédestinés à être des ustensiles. Rami, on fait un décret qu'on n'a pas le droit de les transporter ni pendant Shabbat ni pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de les utiliser. D'accord? Parce que c'est l'interdit de Moukse pour ne pas que. On commence à se conduire les mains trop orphanes, et puis après on va transgresser facilement des interdits. Ramim, on fait un décret que tu utilises à Shabbat ou à Yom Tov que ce que tu as, ce qui est prévu à être utilisé. C'est le principe général de Moukté. D'accord? Il y avait. L'Agma raconte à l'époque de Nehemia, Ben Chachalia, que c'était la Shiva Tzion, le retour du Ham Israël après la galoute de Babel. Ils sont revenus en Israël, ils ont construit le Beth Amikdash, il y avait Nehemia. Et là-bas, il y avait les gens, ils étaient complètement mécréants, ils ne connaissaient rien, quoi. Ils avaient tout perdu, toute la Torah. Et Shabbat, c'était très dur à respecter. Du coup, on a fait un premier décret de leur interdire, même à Shabbat, de même transporter des objets pour que tout soit très strict. Ils s'habituent d'avoir à Shabbat en garde. Et puis après, on leur a permis toutes sortes de choses. C'est la base de l'interdit de Moukse. Peut-être que l'occasion, on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Pour le moment, ça suffit pour comprendre le principe du Moukse. Tout ce qui n'est pas prévu à être utilisé, c'est interdit à cause de Moukse. Maintenant, il y a sur ça une grande machloket. Selon Rabbi Shimon, eh bien, c'est pas exact ce qu'on a dit. Il y a certaines choses qui sont moukse, mais la plupart des choses, elles sont quand même permises à l'utilisation. En l'occurrence, une meule de foin que tu n'as pas encore commencé à toucher, à te fournir de là-bas. Elle est dans ton champ, elle est dans le trou, tu as le droit de partir à la chercher si tu veux, mais tu n'as pas prévu de l'utiliser. Elle est pour le moment un peu comme moukse Mahmad Goufo. C'est sûr que tu en prends bien quelque chose à un moment, mais pour le moment, tu ne l'as pas prédestiné à quelque chose. Alors, selon Rabbi Yehuda, c'est interdit de l'utiliser pendant Yom Tov. Si tu as commencé à t'en servir, avant Yom Tov, tu nous as montré que tu prévois de te fournir, de te ravitailler à partir de cette meule de foin. Donc tu auras le droit maintenant de l'utiliser toute la paille qui est là-bas. Tu auras le droit de l'utiliser parce que maintenant tu as commencé à l'utiliser. Mais tant que tu n'as pas commencé à l'utiliser, tu n'auras pas le droit de l'utiliser. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. La Mishnah va selon Rabbi Shimon qui me dit non, tu as le droit de t'en servir. Parce que Moukse Mahmat Goufo, là, ça en parle de compte
a le droit de l'utiliser si tu as besoin. À une exception près, un interdit, un moukse beaucoup plus grave, ça s'appelle le moukse machmat risankis. Un moukse, une chose qui exclut de toi de l'utiliser parce que c'est quelque chose qui a une grande valeur. En l'occurrence, on parle ici que tu as des poutres dans ton arrière-cour, que tu as prévu là-bas que si un jour tu veux les utiliser pour construire ta maison, on a besoin de bois fort et gros et long. Et donc du coup, tu as laissé là-bas quelques poutres. C'est des poutres que tu as complètement exclues d'utilisation parce qu'elles te coûtent cher, elles te sont très chères. Et tu as prévu que tu les laisses là-bas pour le moment. Tu te retrouves bloqué, sans bois à Yom Tov, et du coup tu te dis, bon, peut-être que je vais renoncer à prendre une poutre pour la construction, au moins que j'ai de quoi faire cuire mon barbecue à Yom Tov. Eh ben non, on va te dire, là, Rabbi Shimon va te dire non. Parce que la Moukse Mahmat Risankis, un Moukse que tu as exclu de l'utilisation parce qu'il te cause une perte, et tu as complètement exclu de l'utiliser pour n'importe quoi d'autre, eh bien là, il y aura l'interdit de Moukse, et donc tu n'auras pas le droit d'aller t'en fournir pendant Yom Tov. D'accord, chaque capitule, donc, en deux mots pour le moment, on va ouvrir maintenant un gros sujet autour du bois, pendant trois Mishnayot. La Mishnah, elle est venue concrètement me dire, elle va selon Rabbi Shimon, elle m'a dit, il n'y a pas d'interdit de se fournir d'une meule de foin, si tu en as besoin de la paille qui est dans ton... qui est réunie, attention, c'est important par rapport au prochain Mishnayot, la paille qui est réunie dans ton champ, tu as le droit d'aller t'en servir si tu veux, selon Rabbi Shimon. Mais par contre, parce que c'est un Mouktse Mahmat Goufo que Rabbi Shimon ne considère pas, c'est pas un Mouktse très grave, il n'y a pas d'interdit de Mouktse selon Rabbi Shimon dans ce cas-là. Pour la Lacha, on retient que c'est interdit même de se fournir de cette meule de foin tant que tu n'as pas commencé à t'en fournir, à t'en ravitailler. Mais même selon Rabbi Shimon, qu'on aimait qu'elle sur le Mouktse, mais le Mouktse Mahmat Risankis, quelque chose que tu as exclu de l'utiliser parce que c'est quelque chose de valeur que tu ne veux strictement pas utiliser à d'autres fins, tu ne pourras pas changer d'avis pendant Yom Tov et te commencer à l'utiliser si tu veux, pour une autre nécessité, parce que là, c'est sûr que c'était complètement exclu de l'utiliser, parce que Moukse Mahmat Risankis, ça s'appelle, il interdit à Yom Tov, même selon Rabbi Shimon. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.